Merci beaucoup de cette présentation et surtout de cette invitation à ce colloque que j'apprécie grandement. Et je suis désolée de devoir remplacer le dialogue avec Hélène Cixous par une présentation puisque je sais que vous serez forcément déçus. Mais bon, j'essaierai de faire de mon mieux. Et merci donc d'avoir accepté cette présentation au lieu du dialogue qui avait été prévu. Bon, donc je vais commencer avec un très bref portrait d'Hélène Cixous, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous connaissez déjà le personnage et même l'œuvre un peu. Et ensuite, je vais me concentrer sur les deux derniers livres d'Hélène Cixous qui ont paru cette année et l'année dernière, les deux derniers livres de fiction, puisqu'elle publie énormément. Et comme ça, je crois que ça va peut-être lancer nos discussions pour le colloque de demain. Donc, vous savez que Hélène Cixous est née en Algérie en 1937, à l'époque où ce pays faisait partie de la France coloniale. Et son enfance passée d'abord à Oran et puis à Alger, en Algérie, a baigné dans une ambiance plurilingue et pluriculturelle, parce que son père, sa famille paternelle et ses voisins immédiats étaient des juifs séfarades qui parlaient le français, puisque les juifs algériens de l'époque avaient laissé de côté l'hébreu. Mais aussi, il parlait arabe et berbère pour certains. Cixous, c'est un nom berbère, selon Cixous. Et la mère d'Hélène Cixous venait de l'Allemagne, elle était d'une famille juive ashkénaze. Mais en plus, à Oran, il y avait une grande colonie aussi espagnole, donc elle entendait l'espagnol autour d'elle, et c'est pourquoi elle le comprend très bien. Mais son éducation et sa, disons, son entourage s'est déroulé en français. Ensuite, Hélène Cixous a choisi une troisième, quatrième ou cinquième langue, l'anglais, pour ses études universitaires. Elle s'est consacrée à la littérature en anglais. Elle a fait une thèse sur James Joyce, donc un écrivain qui l'a beaucoup marqué par son traitement de la langue. Et c'est un écrivain qui est toujours très important pour elle. Et tout ce mélange de langues, de cultures, ont contribué à la problématisation que l'auteur fait au long de son œuvre et de sa vie à des questions clés pour tout le monde, comme c'est le sentiment d'appartenance, la notion de langue maternelle. C'est difficile de dire quelle est la langue maternelle de Cixous, puisque la langue de sa mère, c'était l'allemand, mais on pourrait dire que sa langue maternelle, c'est le français. D'autres notions qu'elle problématise, c'est celle de héritage culturel, dont je vais parler après, comme aussi celle du nom propre ou même de l'identité en général. Cependant, l'œuvre littéraire de Cixous, même, malgré ce plurilinguisme et cette maîtrise de beaucoup de langues, se déroule presque entièrement en français, même si dernièrement, dans ses derniers ouvrages, elle commence à utiliser beaucoup d'autres langues, notamment l'allemand. Et elle dit qu'elle n'a jamais eu aucun doute sur le fait de choisir le français comme langue de création. Et elle l'exprime à travers une image très éclairante, à mon avis. Elle dit qu'elle navigue dans un bateau français, mais avec une rame allemande et l'autre anglaise. Donc, toutes ces langues et d'autres, comme on le verra, se mélangent dans son français à elle, qui est très particulier et qui est de ce coup déterritorialisé dans le sens que Deleuze et Guattari ont donné à ce terme. Cette pluralité à l'intérieur d'une même langue, en principe, le français, est aussi une hospitalité envers des textes d'autres langues, d'autres cultures, puisque Cixous puise très volontiers du fond de la littérature en anglais, comme j'ai dit, mais aussi de la littérature allemande, de la littérature biblique aussi, et même de la littérature en espagnol, souvent. Donc, tout cela l'a rendu très sensible à tout ce qui est en rapport avec les identités personnelles et collectives. Donc, Cixous, on peut dire que dans son œuvre, elle déconstruit l'opposition habituelle entre ce qui est mien, ce qui est tien, ou
notre, votre, entre l'intérieur et l'extérieur, on verra que c'est très important pour elle, et aussi entre ce qui est singulier et ce qui est pluriel. Et un des thèmes les plus importants dans son œuvre, c'est précisément le thème de l'altérité, le rapport entre le moi et les autres. Mais ce n'est pas de nouveau une opposition entre moi et l'autre, ou l'intérieur et l'extérieur, parce qu'elle dit souvent que les autres sont dans le moi, c'est-à-dire que l'autre est déjà au-dedans, l'autre est déjà dans moi, l'autre au pluriel, les autres. Elle déconstruit aussi l'opposition entre lire et écrire, entre passivité et activité. Elle utilise un verbe qu'elle a inventé, un seul mot, lire-écrire, pour dire que lire et écrire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que lire est autant actif que écrire, et pour elle, c'est très clair. Et bon, tout cela se reflète dans sa langue, dans son style, qui est très particulier et qui, bon, qu'on reconnaît tout de suite, en même temps qu'il accueille, comme je l'ai dit, beaucoup d'échos, de résonances d'autres œuvres, d'autres auteurs, d'autres langues. Bon, l'œuvre de Cixous est immense, elle a publié plus de 80 livres dans tous les genres. On ne peut même pas parler de genre dans son œuvre, puisqu'elle mélange la fiction, l'essai, la poésie, la prose, le théâtre. Bon, il y a peut-être un genre différent ou précis qui est le théâtre. Mais on disait justement pendant le dîner que le théâtre apparaît beaucoup dans son œuvre narrative aussi, c'est-à-dire que ces fictions sont souvent des tragédies et des comédies à la fois. Donc il y a un côté très théâtral dans les romans, entre guillemets, d'Hélène Cixous, qu'elle n'appelle jamais romans parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment, ils ne répondent pas à ce qu'on, habituellement, on pense que c'est un roman. Donc c'est une œuvre immense, mais je vais donc me concentrer sur les deux derniers ouvrages qu'elle a publiés, les deux derniers ouvrages de fiction qu'elle a publiés. Je vais aussi faire allusion à un troisième ouvrage qui est un dialogue qu'elle a fait avec Cécile Weisbrot, qui est une écrivaine franco-allemande, et qui s'appelle « Une autobiographie allemande ». Donc c'est, le titre est déjà très beau, puisque c'est pas l'autobiographie ou mon autobiographie, c'est une autobiographie. Donc chez Cixous, l'autobiographie est aussi au pluriel, puisque c'est un récit. Donc tout le monde, pas qu'elle, tout le monde vit des vies multiples, et donc ça mérite plusieurs autobiographies, parfois même différentes ou opposées. Mais je vais parler d'abord du livre qu'elle a publié, de la fiction qu'elle a publiée l'année dernière, en 2016, qui s'intitule « Gare d'Osnabrück à Jérusalem ». Un titre assez particulier, puisque beaucoup de gens en parlent en disant « d'Osnabrück à Jérusalem ». Et elle n'aime pas du tout ça, parce que, évidemment, ça n'a rien à voir avec le titre réel. « D'Osnabrück à Jérusalem », c'est destinal, c'est-à-dire on va de là à là, il y a une sortie, une arrivée, c'est comme un train qui part d'Osnabrück et qui arrive à Jérusalem. Mais en fait, dans le titre, il y a le mot « gare », donc ça change tout, quoi. Et donc, ce livre de Cixous, publié l'année dernière, c'est un livre qui marque un tournant, on était aussi d'accord là-dessus ce soir, dans l'œuvre de Cixous, puisque pour la première fois, l'écrivaine s'immerge dans l'histoire de sa famille maternelle à l'époque nazie. Évidemment, sa famille a été très touchée, pas sa famille directe, puisque sa grand-mère et sa mère ont pu fuir l'Allemagne avant l'époque déjà où les Juifs ne pouvaient plus partir. Et parce que justement, bon, à cause de questions biographiques et aussi à cause du fait que sa mère s'est mariée avec un Français, même algérien, mais à l'époque, le père de Cixous était français, bien entendu. Et dans ce livre, donc, Cixous revient à Osnabrück, la ville natale de sa mère, cette ville allemande où sa mère est née, et d'où tous les Juifs de la ville, puisqu'elle a fait des recherches pour ce livre, elle a consulté les archives de la ville, elle a consulté beaucoup de livres publiés par la mairie d'Osnabrück, qui cultive la mémoire de cette époque, comme une sorte de dédommagement, en fait.
Donc, elle a fait des recherches et tous les Juifs qui habitaient à Osnabrück, qui étaient peu nombreux en fait, ils ont tous ont dû partir ou bien ont été déportés. C'est-à-dire, dans le livre, elle parle de Osnabrück comme de zéro Osnabrück, puisque c'est une ville qui a eu comme à un moment comme but le zéro juif dans la ville. Donc, dans ce livre, Sixou recueille une série de mots, de substantifs, qui pour elle, en allemand, qui pour elle sont marquants de cette époque, symbolisent en quelque sorte cette époque. Et en plus, il y a un parallèle avec des images, puisque c'est un livre, comme souvent chez Sixou, illustré par un grand peintre, Pierre Alechinski. Et donc, il dessine quelques substantifs, notamment certains dont je vais parler. Un de ces mots, c'est Vertreibung, qui signifie expulsion, et qui est un mot-clé dans l'œuvre de Sixou, puisque ça la ramène non seulement à l'expulsion des Juifs par les nazis, bien sûr, mais aussi à l'expérience de l'exclusion des Juifs à l'époque de l'occupation, à l'époque de Vichy. Des Juifs en Algérie n'ont pas été déportés, mais ils ont été déchus de la nationalité française. Son père, qui était médecin, a été empêché d'exercer sa profession. Donc ça a marqué profondément l'œuvre de Sixou. Par exemple, elle dit que son père a été tué par les Allemands. Son père est mort d'une maladie, il est mort d'une tuberculose, mais selon Sixou, cette maladie s'est aggravée par le fait qu'il a dû exercer beaucoup de travaux pour gagner sa vie, puisqu'il avait été empêché de continuer avec la médecine. Donc, l'expulsion est une des blessures inaugurales d'Hélène Sixou, comme elle le dit dans ses mots, et peut-être celle qui résume toutes les autres. L'exclusion, c'est le fait d'être mis dehors, mais c'est aussi un rapport avec l'enfermement, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir fuir d'un espace qui est dedans. Il y a dans ce sens une image qui revient très souvent dans l'œuvre de Sixou, qui est l'image du jardin, qui est ambivalente puisque c'est à la fois l'image du paradis, donc l'image du refuge, mais à la fois l'image de la prison aussi. Donc l'enfermement à l'intérieur du jardin, c'est l'enfermement à l'intérieur de la prison, du camp, etc. Donc, pour revenir à Gare d'Osnabrück, je disais que Sixou met en œuvre plusieurs mots qui, pour elle, ont un poids réel. Elle croit au pouvoir des mots, au pouvoir physique des mots. Elle appelle ces mots des mots poisons, mais aussi des mots crimes, des mots abattoirs. Donc elle utilise des images très fortes, comme le mot que j'ai cité, Vertreibung, ou l'infâme Arisierung, je m'excuse de la prononciation, c'est-à-dire arianisation. Ce sont quelques-uns de ces mots qu'elle met en œuvre pour, justement, en quelque sorte, pour les exorciser. Ça rappelle un peu les poèmes exorcismes d'Henri Michaux de l'époque de l'occupation allemande. Cela ramène aussi aux manifestations de certains survivants des camps, comme Primo Levi ou Jorge Semprún, qui ont manifesté que la littérature les avait sauvés, entre guillemets, c'est-à-dire que la littérature, le fait de pouvoir, non pas lire souvent puisqu'il n'y avait pas de livre, mais de pouvoir se réciter des poèmes ou se rappeler des textes littéraires, les a sauvés dans le sens que à préserver leur humanité par rapport à cette déshumanisation que les nazis donc forçaient dans les camps. Et justement, le texte de Sixou qui s'intitule « Voler d'humanité », c'est un texte qui nous montre très bien le poids qu'elle donne à ce mot « humanité ». C'est un poids immense. Donc, on pourrait dire que « Gare d'Osnabrück à Jérusalem » et on pourrait dire aussi que c'est un livre des origines, ce mot est toujours à mettre au pluriel chez Sixou. J'ai déjà parlé de la pluralisation de l'autobiographie aussi, ne serait-ce que par toutes ces origines tellement multiples de sa famille, paternelle et maternelle, mais
aussi et surtout par vocation. Je cite Cixous dans ce livre, elle dit « J'ai besoin d'analyser l'origine, les origines des passions ». Donc elle définit un peu son œuvre comme ça. Et si on examine le mot « origine », on voit que c'est un terme dérivé du verbe latin « origo » qui signifie « naître ». Donc cela pourrait apparenter cette passion de Cixous pour les origines à une sorte de destinalité, comme destinatalité, mais c'est tout le contraire, c'est-à-dire que chez Cixous, on ne peut pas penser aux racines à partir de l'image de l'arbre, d'une verticalité imposante et figée, comme par exemple ceux qui se reconnaissent dans les étiquettes de la France enracinée ou les Français de souche, groupe qui se définit par ailleurs comme un bloc identitaire, et rien de plus éloigné de Cixous que cette image du bloc identitaire. Mais par contre, les racines peuvent aussi être apparentées, toujours au pluriel, à une autre image très, très belle et très forte chez Cixous, c'est l'image des fils au pluriel, qui nous lie, qui lie les personnes entre elles, qui nous rattache aux êtres aimés. Et elle a une image très belle pour exprimer ça, c'est l'image, bon maintenant c'est un peu anachronique, c'est l'image du cordon téléphonique, parce que le téléphone, c'est évidemment le cordon téléphonique n'existe plus, surtout pour les jeunes, mais les personnes qui ont connu les cordons téléphoniques, on se souvient de ces longs cordons téléphoniques, donc qui pouvaient s'étirer, mais jusqu'à un certain point, et qui nous maintenaient rattachés aux gens qui étaient à distance, puisque téléphone, c'est la voix à distance, bien sûr, télé, c'est distance. Donc l'image du téléphone chez Cixous est très très importante. Cette idée de, à la fois de la voix qui doit être présente pour être entendue, mais qui peut être transportée par le moyen du téléphone. Dans le premier livre de Cixous intitulé Osnabrück, elle a un livre qui s'intitule Osnabrück simplement, publié en 1999, on trouve un passage qui s'ouvre par une phrase en allemand, « Mutter kann nicht trennen », que disait sa mère, Ève, et qu'elle considère l'écrivaine comme une phrase motrice ou matricielle, je la cite, et que la narratrice de ce livre traduit ainsi, « Mère, puis-je séparer et je continue la citation, « réparer, puis séparer, réparer pour séparer, puis-je mère, puis-je séparer ». Donc le fil, c'est toujours, les rapports avec les êtres aimés, c'est toujours ça, c'est toujours la bonne distance, c'est-à-dire pas la fusion, pas non plus la séparation. C'est une idée très forte chez Cixous. Mais comme j'ai dit, l'auteur déjoue aussi la destinalité de la naissance, le côté, disons, le côté biologique, le côté déterminant. Je suis née à Barcelone, je ne peux pas changer ça. Mais Cixous, elle peut changer ça pour elle. Par exemple, quand elle dit « Il y a des jours où Osnabrück est un rêve. Des jours où je suis née à Osnabrück, elle est née à Oran. Naturellement, je n'y étais pas encore. J'allais y apparaître. Il y a ces jours où Osnabrück est dans mon enfance à Oran. J'allais naître. » Donc cette image de la naissance, non pas comme détermination, comme quelque chose qu'on ne peut pas changer, comme quelque chose d'immuable, est aussi détournée, déconstruite par Cixous. C'est pourquoi, de même, je reviens au titre de ce livre, le titre n'est pas « d'Osnabrück à Jérusalem », qui en plus pourrait être aussi compris comme une sorte d'injonction sioniste, c'est-à-dire les Juifs d'Osnabrück qui sont partis à Jérusalem, qui ont été sauvés par ce départ, mais « garde Osnabrück à Jérusalem ». Et ce mot, donc « garde », mêle imaginairement les deux villes, Osnabrück et Jérusalem, les reliant par une même gare, comme si on pouvait aller en train d'Osnabrück à Jérusalem. Et en plus, c'est un livre de la mère aussi, puisque le premier Osnabrück, celui de 1999, elle nous apprenait déjà, je cite Cixous, que là où il y a gare, il y a Ève. Ève, c'est le nom de sa mère. Mais le mot gare est aussi l'interjection gare, dans le sens de prends garde. Et ce mot est adressé autant au lecteur, à la lectrice qu'à l'auteur. Mais en plus, gare, si on examine les origines étymologiques du mot, semble venir de l'occitan garé,
qui signifie mettre à l'abri, donc revenant de nouveau à cette idée du refuge qui peut se transformer en une prison. Par rapport à l'idée des origines, des racines, j'en arrive au rapport de Sixou avec la judéité ou les judéités au pluriel. Il semblerait, en lisant ce livre, qu'on ne peut pas ne pas répondre à un certain héritage, dit Sixou, du moins pendant les siècles où les fantômes sont encore en fonction. Donc c'est un héritage qui n'est pas seulement des parents, des grands-parents, mais de toute une série de siècles. C'est pourquoi la narratrice de Gare d'Osnabrück dit qu'elle est allée à Osnabrück en tant que juive, mais aussi en tant que non-juive, je poursuis la citation, donc en tant que juive selon, en tant que femme et fille, et aussi juive comme fille de ma mère d'Osnabrück. Donc c'est les deux à la fois. Je vais reprendre cette question par rapport au deuxième livre. Le deuxième livre, justement, pour ne pas trop prolonger mon ouverture, le deuxième livre, c'est Correspondance avec le mur, qui a été publié en 2017, il y a quelques mois, et qui s'intitule, donc, comme je viens de le dire, Correspondance avec le mur. Je vais partir aussi des mots présents dans le titre, notamment correspondance et mur, commençant par mur, mot qui se trouve évidemment dans Jérusalem, évidemment. Le prière d'insérer de correspondance avec le mur commence par ce passage, repris en partie dans la première page du livre. « Après la gare d'Osnabrück à Jérusalem, je m'attendais un livre menant à l'autre, en faisant le tour du monde, à me trouver devant, et entre parenthèses, écrire, la ville avec des majuscules, donc Jérusalem. J'étais juste en face du mur du mont Moria. J'étais devant le mur de la première page, devant, c'est-à-dire en dette, dit-elle. Devant, c'est non seulement en face, mais le participe présent du verbe devoir. Je laisse de côté la dette, malheureusement, qui est aussi un motif récurrent chez Sixou, pour lire mur, qui est apparemment un mot sans histoire. On sait ce que c'est qu'un mur, on est entouré de murs, plus ou moins troués, disons. Mais Sixou attire notre attention sur ce qu'elle appelle le travail du mur, qui consiste à monter un mur, mais aussi à l'abattre, à l'éventrer. Et la porte elle-même, c'est une image très fréquente chez Sixou, est en fait, elle dit, un mur articulé, qui nous permet d'entrer ou de sortir de l'immurement, dans une réversibilité qui est un axe principal, à mon avis, de la pensée comme de l'œuvre de Sixou. Donc le mur peut se référer chez Sixou autant à la défense, à la protection, qui peut cependant arriver à des points, avoir des conséquences auto-immunitaires, par exemple le tristement célèbre mur projeté par Donald Trump, et Sixou a beaucoup parlé de Trump dernièrement, mais c'est aussi une allusion au mensonge, au silence, à l'occultation, au mensonge par omission, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas écrire ou dire, par exemple tout ce qui est en rapport avec l'expérience des camps, par rapport à des gens qui n'ont pas fait cette expérience directement. Et le mur peut encore faire allusion chez elle au fort intérieur où vivent les étrangers qui logent en moi, comme dit Sixou, et qui est à la fois ce qui nous est le plus intime et ce qui nous est le plus étranger. En même temps, bon, le mur est un rapport avec la dette, je n'ai pas le temps de développer cela, mais étymologiquement, il y a une parenté entre mur, latin, murus, et munio, qui est un rapport avec munus, qui signifie dette. Et la dette est un rapport avec l'héritage. Mais justement, ce qui m'intéresse, et que je n'aurai pas le temps de faire, c'est de mettre un rapport mur, héritage et communauté. Parce que c'est un terme très, très... contrairement au terme que j'ai mentionné, le terme communauté n'apparaît jamais chez Sixou. Elle dit qu'elle est contre ce terme. Et bon, vous savez, les Français, le communautarisme, c'est vraiment le péché maximal, disons. Donc, dans ce sens, elle est, comme Derrida aussi,
contre la communauté, contre l'idée de communauté. Derrida s'est toujours méfié de ce sentiment d'appartenance. Il en parle, par exemple, dans Circonfession, et il dit que l'attribution du « nous » à quelqu'un, par exemple à un enfant qui fait circoncire ou baptiser, comme une imposition, comme une violence qui est à la racine de ce qu'il appelle la dissymétrie communautaire. Et de même, Correspondance avec le mur inclut un passage où la narratrice est avec une cousine de sa mère, Margaret, et où cette cousine de sa mère lui lance, elle dit, une caresse empoisonnée parce qu'elle la traite comme une de nous, en opposant nous, les juifs, contre ils, les non-juifs qui ne veulent pas de nous, etc. Donc la narratrice est divisée par ce cadeau, cette caresse empoisonnée, mais elle accepte cependant cette invitation à retourner à Jérusalem par amour à cet ancêtre qui l'a lui fait. Mais elle se demande aussi, c'est une question que peut-être beaucoup d'entre nous se sont posées aussi, jusqu'où dire oui sans trahir, sans se trahir. Donc, c'est vrai que l'écriture, les pensées de Lenzixou, comme celle de Derrida, sont bien loin, et même à l'opposé du communautarisme tel qu'il est compris en France. Mais on peut comprendre l'idée de communauté d'une autre façon, c'est ce que je voudrais démontrer, mais je n'ai pas le temps. Et en ce sens, je crois que ce livre de Cixous, Correspondance avec le mur, fait un pas en avant et justement entre dans cette idée à travers le mot correspondance, à travers le répondre qui est dans correspondance, à travers le spondé, le terme grec spondé qui est à la racine de respondere, latin. Donc elle fait une promesse, elle signe une alliance et elle accepte d'être répondante de cet héritage culturel. Ainsi, je vais terminer par un des paragraphes les plus cités de Correspondance avec le mur, parce qu'il répond à merveille, je crois, en ne donnant pas une réponse tranchée, comme toujours chez Cixous, à ces interrogations que se fait l'auteur, mais aussi beaucoup de lecteurs et lectrices. Et bon, je vous lis ce morceau et je termine avec ce morceau. Je signale que c'est un passage où la narratrice est en train de remplir un formulaire pour entrer en Israël. Donc il faut répondre à des questions, il faut cocher des cases, comme on fait aussi quand on va aux États-Unis. Je lis le passage. À la question « Êtes-vous juive ?», je mets « Oui ». Je décide et consens à répondre sur le formulaire « Oui ». Alors que mon amour de la vérité compliquée, mon besoin vital de pousser la pointe de la pensée au cœur du combat des paradoxes, mon alliance avec l'inconnu, c'est-à-dire le pays de l'écriture, le vierge, le courageusement infidèle, toutes mes obsessions vitales veulent que je dise non, pas oui, mais je le suis par vent de nord-nord-ouest, ou par mauvais temps, mais par beau temps, clair, sans rafale de vent, ou quand je suis en mes rêves, en mes libertés dans mes rêves, je ne réponds que rien, ni plus ni moins. Merci.